Aujourd'hui, on va en Auvergne-Rhône-Alpes, étape 2 du Tour de France, plus particulièrement en Isère, rencontrer des salariés de Thalès, visiter une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables et le photovoltaïque en particulier, et ce soir, une rencontre avec les habitants de Bourgoin-Jallieu et des environs, où sont invités aussi les maires, des responsables syndicaux, de tous bords, pour un échange sans tabou. Bon alors, on commence par Thalès. Vous avez préservé au sein de Thalès une branche qui est dans l'imagerie médicale, qui travaille pour la santé, pas pour la défense. Ouais. Comment ça s'appelle le projet? C'est quoi? C'est comment on peut le résumer? C'est de l'imagerie nomade. Quand on met la pression sur l'outil de production, c'est ce que dit la CGT dans ses mobilisations à venir, eh ben, ça permet de débloquer les choses. Hein, parce qu'on fait des copains, des raffineries. Par contre, on a un petit problème concernant justement le droit de grève. Dans le droit européen, il est dit qu'on ne peut pas remplacer un salarié par un autre salarié, un salarié en grève par un autre salarié. En droit français, on ne dit que pour les CDD, on ne dit pas pour les sous-traitants. Et donc les directions jouent là-dessus en disant que comme il n'y a pas de, donc il faudrait effectivement un nouveau projet de loi qui inclut également les sous-traitants ou tout autre salarié. Ici, il y a les compétences, les machines, les savoir-faire, les ingénieurs, les techniciens pour produire des panneaux solaires de A à Z, avec y compris du silicium qui vient d'Europe. Et donc, on a tout sous la main. Tout sous la main pour faire des panneaux solaires bas carbone, c'est-à-dire avec le bilan carbone le plus faible possible. On arrête ces installateurs parce que tu vas en Chine, tu achètes, et c'est les Chinois qui sont gagnants. En fait, tout l'argent des contribuables français, il part en Chine. C'est pas possible, à un moment donné, quand on parle d'environnement, il faut qu'on reste sur du local. On a une entreprise qui est à côté, pourquoi on va aller chercher au bout de la terre? Ben voilà, parce que les règles aujourd'hui sont comme ça. Il y a un marché public et on va au moins cher et point barre. On ne cherche pas à savoir est-ce que c'est une entreprise locale ou pas, est-ce que les panneaux solaires ont fait le tour du monde avant d'arriver, enfin c'est... voilà. Je suis venu pour essayer d'apporter des réponses avec vous, trouver des solutions, et ça m'intéresse, moi, de vous écouter. Ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez en tête, ce que vous pensez, ce que vous pouvez attendre d'un parti politique, d'un député. Et donc, je me mets totalement à votre disposition et je suis prêt à répondre à toutes les questions. C'est l'objet de cette rencontre. J'aimerais bien savoir votre avis sur la loi de 2035. Il faut penser la société permettant de se déplacer demain avec des véhicules électriques. Et je ne suis pas sûr que l'on y arrive d'ici 2035. Et c'est pour ça que moi, je demanderai à ce que l'on conserve les savoir-faire des moteurs thermiques, et notamment avec des véhicules hybrides. Nous n'avons pas d'uranium en France. De fait, comment on peut arriver à avoir une énergie qui est renouvelable, qui coûte beaucoup moins cher, et sur lequel nous soyons totalement indépendants, puisque ce n'est pas le cas avec le nucléaire. Nous n'en avons pas chez nous, mais nous avons un stock aujourd'hui d'uranium qui, au regard de notre consommation actuelle, nous permettrait de tenir 300 ans, 3 siècles. L'objectif, c'est de continuer d'investir dans la recherche, et notamment à travers le projet Astrid. Le projet Astrid était un projet qui a été abandonné par le président Macron sous le précédent mandat et qui permettait de travailler sur des futures centrales nucléaires. Ça produisait beaucoup plus d'énergie et ça permettait d'avoir beaucoup moins de déchets d'uranium. Est-ce qu'on n'a pas déjà le réseau ferré nécessaire pour transporter les marchandises? Et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à mettre cet argent pour rénover et réouvrir des lignes? Je n'opposerai pas le besoin de construire de nouvelles voies ferrées comme le Lyon-Turin avec le fait qu'il en manque en France, qu'il y a besoin d'entretenir
les existantes en France. Je voudrais savoir ce que vous voudrez faire pour la jeunesse. Je vais écrire ce texte de loi qui doit garantir à chacun des enfants de primaire et du collège, au moins au début, que tous les devoirs soient faits à l'école et plus jamais à la maison. Crier un coup de gueule et surtout de faire un constat affligeant sur la destruction et la mort du service public hospitalier et des hôpitaux. Aujourd'hui, l'hôpital est en souffrance, vraiment. On est en train de démanteler tout secteur confondu. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est la population qui est en jeu, c'est tout le monde. C'est-à-dire que les urgences s'engorgent. Merci à vous, on voit le maire de l'amitié. Pour moi, Fabien Roussel a répondu à ma question parce que c'était pour l'handicap, l'intégration des enfants porteurs d'handicap et les gens qui sont en AVS, les aménagements des postes. C'est une très bonne initiative. Je trouve l'idée de ce Tour de France intéressant. Et puis, c'est en plus, je trouve une bonne initiative dans l'Isère de venir dans ce territoire-là qui n'est pas la métropole. C'est intéressant qu'ils viennent en Isère parce que moi, je viens d'un quartier populaire et puis on attendait d'avoir des réponses à nos questions. Et on avait besoin d'entendre qu'il y a des gens qui luttent à côté de nous. Ici, à Nivaux-la-Vermelle, on a eu une salle pleine, presque le double de chaises qui était prévu, avec des gens de tous horizons venus me poser énormément de questions. On a beaucoup parlé des services publics, de l'énergie, du climat, de l'environnement, des salaires, du handicap, une foison de questions. Toutes aussi importantes et passionnantes les unes que les autres, avec y compris des gens qui se répondaient entre eux. Vraiment, c'est une étape dont je me souviendrai parce qu'elle était fatigante, mais tellement enrichissante. Et je pense notamment à cette aide-soignante qui nous a parlé de son hôpital public ici à Bourgoin, où il y avait encore 22 brancards le week-end dernier au service d'urgence parce que incapable de pouvoir les soigner avec 32 lits de fermés. Bref, on est ici dans le concret, dans la vie des gens, dans leur vécu et c'est ce pouls-là qu'il faut prendre, le pouls des Français. Il bat encore, il est vif, mais ils ont beaucoup de choses à dire, les Français.